ici, Tim, nous sommes à la montagne avec ces immenses glaciers derrière, tu vois, ici, on les voit. Qu'est-ce qu'il y aurait comme verset qui vient là, l'esprit à la gloire de Dieu, je sais pas, quelque chose qui parle de la création ou de la montagne, tu vois rien? Je sais pas, il y a des versets qui me viennent en polonais, mais puis en français pas trop. En polonais? Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Oui, c'est très magnifique. C'est le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre, ouais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est 121 ou 123? 21. Non. Ouais, 21. Et je connais une petite histoire à propos de ça. Ouais. J'ai interviewé James Irving qui était sur la Lune. Deux fois j'étais avec lui pour faire des films, tu sais, un astronaute américain. Ah ouais, j'ai lu dans ton bouquin. Voilà. Et puis lui, il a dit, à un moment donné, quand il était sur la Lune, il a vu ses montagnes, et il a dit, dans le micro, que tout le monde sur la Terre a entendu, parce que c'était un chrétien, ouais. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de Dieu, qui a créé les cieux et la Terre. Ah, c'est trop bien. Oui, c'est magnifique. Mais après un moment, il a réfléchi, il a dit, si maintenant, Houston, il pense que le secours me vient de Dieu et non pas de Houston, ils vont me couper la radio et je serai paumé sur la Lune. Mais Houston, c'était qui? Houston, c'était la tour de contrôle de tout son voyage, d'accord. En permanence. Alors il s'est rattrapé, il a dit oui, oui, mais le secours me vient aussi de Houston. Il m'a raconté cette histoire. Mais c'était formidable, parce que c'était un chrétien. Mais c'était l'interview, tu l'as interviewé oui, avec en ma Suisse, caméra. Non, en France, deux fois, en France.